Ces campagnes, elles ont toujours été marquées pour nous par le principe de la fidélité. Nous avons toujours été fidèles à nos idéaux, à nos idées, à nos pensées, à nos combats. Et encore plus, nous avons toujours été fidèles à nos amis et aux gens que l'on connaît depuis très longtemps sur notre territoire. Voilà. Et pour moi, la politique, ça n'a jamais été un arrangement à un moment donné où je vais à un endroit, je vais à un autre, en fonction du sens du vent ou en fonction des derniers résultats électoraux. Mais ça a toujours été un engagement fidèle. Je n'ai jamais changé de parti politique, c'est les partis politiques auxquels j'appartiens qui ont changé de nom. Cet engagement, c'est un engagement de fidélité. Alexandra, je la connais bien parce qu'elle est adjointe à Sartrouville. Avant qu'elle soit avec moi au conseil municipal de Sartrouville, je ne la connaissais pas. Et une personne m'en avait parlé. Et m'avait dit du bien d'elle. Alors je me méfie toujours parce que on me dit souvent du bien des gens. Il faut voir à l'usage. Et donc nous avons fait plusieurs mandats ensemble. Et j'ai pu voir à quel point Alexandra avait les qualités d'une élue. Une personne qui a un bon raisonnement. Quelqu'un qui est courageux, courageuse. Et en même temps, qui sait bien que la politique ne se fait pas dans des appareils de partis politiques, mais elle se fait sur le terrain. Bon, je dis toujours, c'est la multiplication des rencontres sur le terrain avec nos concitoyens qui font qu'on comprend, on sent, on voit bien les attentes et on peut essayer d'y répondre. Et plus on multiplie ces échanges, plus on comprend ce que veulent les Françaises et les Français. Et plus on s'éloigne du terrain, moins on comprend en fait. Et à la fin, on finit par avoir des idées qu'on peut qualifier de hors-sol. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai souhaité apporter mon soutien à Alexandra, parce qu'elle a l'ensemble de ses qualités qui peut faire d'elle une élue de grande qualité. Voilà. Alors maintenant, je sais bien que le combat est difficile, mais c'est comme ça. Les combats électoraux sont toujours difficiles. La seule chose que j'ai appris, c'est qu'ils ne sont jamais ni gagnés ni perdus. Jusqu'au bout, c'est comme les matchs de foot. Moi j'ai un fils qui d'ailleurs donne un coup de main pour la campagne, il ne peut pas être là ce soir parce qu'il a des partiels demain, il faut qu'il gagne sa vie demain, et il faut qu'il réussisse ses études, et il adore le foot. Et il me dit toujours, un match jusqu'au dernier, la dernière minute, bah, il n'est pas forcément gagné, ou il n'est pas forcément perdu. Voilà. Et donc il faut se battre jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous attend, il faut vraiment se battre là, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, il y a plein de gens à convaincre. Il y a plein de gens à aller voir et il y a plein de gens à écouter. Voilà, bonne chance Alexandra et tout mon soutien pour toi.